T'es puni, j'ai dit. Et salut, salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de Modern Sky Blog 2 et on se retrouve avec Botania. Alors j'ai fermé un tout petit peu les fleurs, hein, vraiment un tout petit peu, surtout celles qu'il va nous falloir aujourd'hui. Et j'ai fermé un tout petit peu de Living Wood, Living Rock, enfin pas grand chose pour le moment, mais j'avais vraiment envie d'avancer sur Botania. Alors du coup, au niveau des quêtes, donc il va falloir qu'on se fasse une End of Flame, on va en faire 4 si on peut. Alors du coup, End of Flame, c'est 2 marrons, une rouge, une grise claire. 2 marrons, une rouge, une grise claire, du coup on va prendre 4 comme ça. 4 comme ça. Et 8 comme ça du coup. Hop. Et il nous faut donc les seeds aussi. Hop, hop, tac, tac, et tac. Alors, une rouge, une gris clair, 2 marrons, une seed, et on a une end of flame. On va se les faire toutes. Tac, tac, pour le moment, je vais faire comme ça. Tac, 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 tac. Ok. Right click. Ah. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Right click. Ah non, ça va pas marcher. Ça a dû annuler l'action du coup. Du coup, si je fais ça. Ok. Et du coup, on a juste à dropper ça et c'est bon. Ok, cool. Du coup, on a nos 4 End of Flame, donc ça, c'est cool. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Merci. Ensuite, on va se faire donc les Living Wood Twig et la Wand of the Forest. Tiens, ce que j'ai pas, par contre, c'est une table de craft. On va s'en faire une. Pour en mettre une par ici. Hop. Et on va la mettre... je la mettrai bien dans le sol. Genre ici. Ouais, c'est pas mal ici. Ok, du coup, tac, 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 Wand of the Forest, donc c'est n'importe laquelle, et il nous faut 3 Living Wood Twig, donc il nous faut 3 x 2, donc 6, comme ça, et bah écoutez, hop, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, en plus on aura tout ce qu'il nous faut pour après, on va en remettre à faire, hop, hop, comme ça c'est fait, tac, et du coup, tac, 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 et on va se la faire en quelle couleur? 2, 3. Ça c'est bon. Et j'ai bien envie de faire en magenta. Tac. Tac. Tac, tac. Et du coup, les 3 comme ça, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on a nos Wand of the Forest. Yes! On peut claim. Ensuite, on va se faire le mana spreader. Du coup, le mana spreader. Mana spreader. Mana. Spreader, il est là. Alors, du coup, c'est du living wood avec une pétale au milieu. Ben, on va prendre. On va prendre un pétale. Allez, un pétale gris. Et du living wood. On n'en aura pas assez. Ok, 8. Normalement, ça devrait suffire. Tac. Tac. Non, les End of Flame, je n'en veux pas ici. Ok. Du coup, on va pouvoir mettre ça en place. Je dirais bien de mettre le mana spreader ici. On va se mettre nos 4 petites End of Flame. Tac, tac, tac. Du moment qu'elles sont autour, normalement. Voilà. Donc là, on peut voir qu'elles sont reliées au mana spreader. Donc ça, c'est cool. Et il va nous falloir une mana pool. Mana pool. Donc c'est avec 5 Living Rock. Hop. Hop, hop, super. On la met, bon, on va la mettre là. Hein. Et du coup, après, on fait shift-click. Et normalement... Ah, il faut qu'on lui drop du charbon. Allô, le jeu? Ok. On va aller chercher du charbon rapidement. Alors, je vais juste ranger ça, ça. Récupérer ça. Récupérer ça. Tac. Ok, charbon. On va prendre un stack pour le moment.
Ok, et donc là, si on leur drop du charbon. 1, 2, 3, 4. Voilà. Elles en récupèrent et on a notre première mana. Cool. Alors, donc ça, c'est bon. Et la mana pool, du coup, c'est bon aussi. Cool. Ensuite, il va nous falloir un mana steel ingot. Donc, ça, j'ai déjà, étant donné que j'en farme pas mal avec l'usine à mob. Une mana perle, donc on va aller chercher une ender perle, un diamant, une gunpowder, un seal, un quartz et un verre. Alors, je vais aller chercher tout ça. Ok, donc on se retrouve. J'ai été chercher tout ce qu'il me fallait et du coup, on va se redropper quelques petits charbons. 1, 2, 3, 4. Ok, et du coup, il suffit de dropper. Donc, la gunpowder, le string. Ok, il n'y a pas assez de mana. Très bien. On va en redropper encore. 2, 3, 4. Ok, lui, c'est bon. Bon, on devrait pouvoir en faire un petit peu plus. Alors, du coup, on va essayer de dropper la mana perle. Est-ce que. Ouais, toi, on peut te faire aussi. Toi, on peut te faire aussi. Super. Et toi, on peut te faire aussi. Cool. Du coup, on a tous nos premiers mana items. Donc, ça, c'est cool. Done. Et du coup, on va pouvoir se faire le Runic Altar, le Living Wood Avatar, ça c'est ce que j'attends. L'Alchemy Catalyst, ça aussi, comme ça on va pouvoir se faire de la canne à sucre, plutôt que d'avoir à manger. Et ça doit être pour, ouais, pour changer les blocs, enfin d'herbe surtout, je pense. Je crois qu'on peut faire du mycélium et compagnie avec tout ça. Vivid, Scorched, Infused. On va regarder. You can make special seeds that when it's under, return. Ah ouais, ça les change en un autre bloc. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on fait, du coup. Ok, du coup, on va voir pour se faire un petit peu tout ça. Moi, lui, il va bien m'intéresser. Personal mana storage. Ah, ça va être cool aussi. Pour qu'on ait notre propre mana. Le Runic Altar, ça va être très utile pour faire les runes. Et ça va être utile pour changer des items en d'autres items. Donc ça, c'est cool. Hop, du coup, je vais ranger un petit peu tout ça. Tac, tac. Alors. Tac, tac, tac. Donc, lui, on peut le ranger là-haut. Ça, on peut ranger celle-là. On va ranger ça comme ça, comme ça, comme ça. Il manque ça, ça. Tac, et tac. Ok, donc comme ça, tout ça, c'est rangé. C'est cool. Du coup. Il nous faut le Runic Altar. On va commencer par ça. Runic Altar. Alors, il nous faut de la Living Rock et soit un mana diamant, soit une mana perle. On va plutôt utiliser la mana perle. Parce que ça encore, ça se farme assez bien. Et de la Living Rock, on en a. Hop, hop. Tadam! Ça, c'est cool. On va le mettre par là pour le moment. Parce que je crois qu'il faut de la mana dedans. Donc, est-ce que si je le colle à lui, ça suffit? Ouais, je pense. On va redropper un petit peu de charbon ici. Il faudra que je vois pour automatiser ça. Du coup, le Runic Altar, normalement, il est fait. Ok, on peut claim. Du coup, on va pouvoir créer les premières runes. Donc, tout ça, je préparerai les crafts en Arcam. On verra ça peut-être la prochaine fois. Rosa Arcana. Elle utilise l'expérience du joueur pour générer de la mana. Ah, ça c'est cool. Rosa Arcana, on va pouvoir la faire. Botanical Brewery. C'est pour faire certaines potions qui utilisent de la mana. Ok. Et elles peuvent être utilisées plus d'une fois. Ok. On va faire le petit Living Wood Avatar. Parce que lui, j'ai bien envie de le faire. Au niveau de mana. Quand on lui donne de la mana, il utilise les rods. Du coup, il va falloir que je fasse une production de mana assez sympa. Par contre, toi, j'aimerais que tu arrêtes de me piquer ma terre, s'il te plaît. Non, tu te calmes. Tu te calmes, Jean-Pierre. Tu te calmes. Merci, tu me rends ma pierre, ma terre. Non, mais. Ok. Du coup, on va se faire le petit avatar. 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 Oh, Dreamwood Avatar, il est trop mignon. Avec un mana diamant et du Living Rock. Du Living Wood, ok. Hop, hop, hop. Et tac. Ok.
On a notre premier petit bonhomme. Trop bien. Alors par contre, il m'a enlevé toutes mes endoflames là. Non mais, méchant. 1, 2, 4. Hop. Et on va le poser là pour le moment. Voilà. Coucou toi. Et je suppose qu'il va falloir... Ah non, il faut la wand qu'on veut lui donner. Hein. Moi, c'est celle-ci que je veux lui donner. Mais du coup, on verra plus tard. On va se faire aussi de l'alchimie catalyste. Comme ça, on va pouvoir se faire de la canne à sucre. Bilo, il y a un mana pool. Donc, il va falloir que je refasse une autre mana pool, par contre. Histoire d'en avoir deux bien séparés. Alors, alchimie catalyste. Ok. Il est là. Il va nous falloir deux brewing stands, une mana perle, deux lingots d'or et du living oak. Ok, on va aller faire ça. Tac. Alors, normalement, j'ai de quoi faire les brewing stands. Tac, tac, tac. Non, j'en veux juste deux. Merci. Touk. Et il va me refaloir une mana perle. Je vais aller chercher un stack là-bas de Under Pearl. Hop. Et on va remonter ici. Ok. Alors, Under Pearl. Ah, il n'y a plus assez de mana. Ok, très bien. Donc je fermerai un peu la mana de mon côté. Tac, tac. Ah mince, les lingots d'or. Ça, il y en a juste là. 1, 2. Ok. Et là, normalement, on a tout ce qu'il faut. Yay, yay. On va juste se refaire une petite mana pool rapidement. Voilà, hop. Et je réorganiserai un peu tout ça, histoire de pouvoir... mince. Là-dessous, il faut que j'y mette... l'alchimie catalyste, du coup. Tac, tac. Tac. On met la mana pool par-dessus. Tu veux bien me mettre ma mana pool, s'il te plaît? Elle est où, ma mana pool? Tu te fiches de moi? Pourquoi j'ai pas ma mana pool? Bon, je vais en refaire une, tant pis. J'ai pas compris, là. Ah, purée, elle est là. Ok. Alors, soit je suis aveugle, soit elle a disparu à un petit instant. Et du coup, on peut voir qu'elle change un peu de couleur, le fond. Et on peut dire à lui d'aller là-dessus. Et il va nous créer un peu de mana dedans. Je sais plus si j'en ai droppé assez pour tout. Voilà. Ok. Tac. Ok, et du coup là-dedans, on va pouvoir faire par exemple. Tac. Il me semble qu'on peut faire de la canne à sucre à partir de ça. Si je dis pas de bêtises. Où est-elle? Déjà, on peut faire des lily pads, ça c'est cool. On peut avoir tous les poissons qu'on veut. On peut faire des graines. À partir de graines de cacao, ça c'est cool parce que pour le moment j'ai pas une super production. On peut avoir toutes les graines qu'on veut, on peut avoir de la netherwort, du fil on veut, tu en vois là, mais ça c'est bon, on a ce qu'il faut, des petites bulles de slime. Oui, alors par contre les enderpearls à partir de gastir, non merci. La redstone, la glowstone, du sable, de la brique, de la terre, à partir de quoi? Ah non, c'est du puzzle. La corse d'or, pardon. Ok, d'accord. On peut avoir de la diorite, etc., etc., etc. Mais normalement, on peut avoir aussi de la... Allez, fais-moi pas mentir. Sugar cane. Il me semble... Ah, mana en fusion, voilà. Il nous faut un hay bale, donc un bloc de paille. Si on le met dedans, on aura de la canne à sucre. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Est-ce que tu veux bien reprendre un petit peu de ça? La graine, c'était pas obligé, mais si tu veux. Oh, je crois que je sais comment on peut l'automatiser. On va peut-être même le faire maintenant, je suis en train de me dire.
Non, c'est bon, ça ira. Ok, du coup, toi, tu te remplis. On va aller chercher un bloc de paille. Et on va se faire une canne à sucre. Alors, et voilà. Normalement, tadam, on a notre première canne à sucre. Trop bien. Du coup, on va enfin pouvoir... on va pouvoir la planter quelque part. Et avoir de la canne à sucre à volonté. Ça, c'est super cool. Parce que... depuis le temps qu'on en voulait. Et mince, j'ai encore cassé ça alors que je ne voulais pas. Par contre, ici, ouais, je veux bien... Hop, voilà, comme ça on aura ça. Bon, ça je réparerai plus tard, tant pis. Je vais juste mettre une petite torche par contre pour éviter les méchants monsieur. Et voilà, du coup ça c'est cool. On a notre première canne à sucre, on va enfin pouvoir faire du sucre à volonté. Ça c'est super cool. Du coup je vais m'occuper moi d'automatiser un peu la production de mana, agrandir un petit peu cette, cette plateforme là. Et il faut que je regarde pour, déjà ça on peut claim. Pour faire ça il me manque quoi? Personal mana storage, donc il nous faut ça. Et elemental rune, donc il nous faut ça. Ok, donc ça je pourrais le faire que la prochaine fois, donc on verra pour la prochaine fois. Et Mana Blaster, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un Mana Spreader portable. Ok. Ça, ça peut être cool. Par contre, je veux bien la Rosa Arcana. On va se faire la Rosa Arcana. Alors, Rosa Arcana. Elle se fait à l'apothécarie. Ah ouais, mais il nous faut la rune de mana. Ok, bon, bah, je pourrais pas la faire tout de suite, du coup... parce qu'il va me falloir les autres runes. Et lui. Botanical Brewery. Botanical Brewery. Déjà, il sert à quoi? À faire des... Ah oui, des potions de speed, etc. Ok. Enfin, des potions... Ok, pas de soucis. Ouais, bon, on peut voir pour se faire ça. Non, toujours pas. Il nous faut aussi une rune de mana. Bah, je crois qu'on va pas avoir trop le choix de se faire les runes. Hein. Band of mana, mana tablette. Est-ce que ça, on peut les faire? Mana. Tablette. Ça, avec une mana pearl, ça devrait être faisable. Et le band of mana, il est où? Il est là. Avec une mana tablette et 3 mana ingots. Oui, c'est faisable ça. Et bah allez, on va se faire ça. Toi, tu me rends ça. Du coup, la mana tablette. Bim. Ok. Et du coup, ça plus 4. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Ok. Et du coup, ça pour le recharger, je suppose qu'il suffit de le dropper là-dedans. Alors, par contre, il me refaut encore du charbon. Allez. Par contre, moi, je veux que ça aille de la mana à la tablette. Ouais, on peut voir qu'elle se charge un petit peu. Vraiment pas grand-chose, mais... Quand je la drop dedans, en tout cas, ouais, on voit les petits éclairs et on voit que... Elle a aspiré toute la mana, quoi. Donc, c'est que ça se remplit bien. Ok, cool. Du coup, ça sera mon petit chargement de mana. C'est cool. Et on peut la mettre là-dedans. Oh, trop bien. Super. Ok, bon, bah, je vais farmer un petit peu la mana de mon côté, je pense. Et pourquoi il m'a pas validé la mana tablette? Moi, je voulais la mana tablette. Bon, on va en refaire une. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux... Non, pas encore. Allez, petite mana. Produit. Ouais, je pouvais la faire à côté, c'est bon. Mais j'ai pas compris pourquoi il voulait pas... Bon, c'est pas grave. Par contre, il va me falloir du living rock. Tac. Ok, on a notre mana tablette. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, tu veux bien. Ok, claim. Et du coup, il nous manquera juste les premières runes, donc ça, on pourra le faire la prochaine fois. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est quoi? Passive mana génération. Aura passively generates mana when worn. Ça veut dire quoi? Worn, c'est porté, non? Band of aura. À mon avis, il va nous falloir une rune. Band of aura.
Aura, 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 aura. Ouais, il nous faut la rune de mana. Et du coup, ça produit de la mana enfin, tout seul, quoi. Ça, c'est cool, ça. Ok, bon, on verra ça la prochaine fois, du coup. Et là-dedans, je pense qu'on a fait le tour. Si on peut voir les seeds. Comment on fait les seeds? Seed. Pasture seed. Non. Moi, c'est avec ça que je veux. Ok, donc avec de l'herbe. Ça, avec un dead bush. Ça devrait aller. Non. Dry pasture seed. Ah, il nous faut une pasture seed plus un dead bush. Ok. Ça, une pasture seed plus du wheat. Ok. Plus du cake. Ok. Ça, par contre, j'ai pas. Comment on fait de ça? Avec du quartz. Il n'y a que cette manière-là de l'obtenir ou il y a une autre façon de l'obtenir? Ah, comme ça, avec de l'amostone et du nether quartz, ouais. Et comme ça, mince, avec un de quartz, ouais. On va utiliser cette technique-là. Du coup, il va falloir que je forme un petit peu de quartz. J'en ai plus. Ça, on peut faire. Et non, pas ça par contre. C'est quoi ça? World Seed. Trop chelou. Ok, pourquoi pas. On verra. Mais ouais, on a de quoi faire ça. Du coup, je vais préparer un peu tout ça et on se retrouve tout de suite. Ça laissera le temps de faire un peu de mana. Ok, alors on se retrouve. Donc j'ai mis en place juste rapidement un petit open crate. Donc il se fait très simplement avec du Living Wood Planks. Et en faisant un U à l'envers comme ça, on obtient un open crate. Et en fait, l'open crate, il sert à dropper les objets au sol. Et du coup, j'ai mis un petit bonsaï pot qui récupère les bûches. Ça drop les bûches sont récupérées. Je pense que j'en mettrai au moins 4, voire même peut-être 6, parce que les bûches sont consommées quand même assez rapidement. Donc j'en rajouterai quand même pas mal. Ou alors, je mettrai un petit... Parce que là-bas, j'ai pas mal de consommation, enfin de production d'arbres déjà. Mais bon, qui me servent pour le charbon, donc peut-être pas. Ouais, je rajouterai des bonsaï pots ici pour augmenter un peu la production. Mais du coup, ça me produit de la mana un peu tout seul, donc c'est cool. Du coup, on va pouvoir se faire nos petites pastures seed. Donc il nous faut donc 7, j'ai compté, il nous faut 7 herbes pour faire 7 pastures seed. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Je sais pas si je vais avoir assez de mana par contre. 4, 5, 6, 7. Ok. On a eu nos 7 pasture seed. Super. Ensuite, pour ça, il nous fallait les dead bush. Alors, je sais pas s'ils ont terminé là-bas. J'en ai mis à faire. On va aller voir vite fait. Avez-vous fini, les gars? Non, presque. 91, 90, 87. Du coup, on viendra là à la fin. On va se faire les autres en attendant. Du coup, pour faire, donc celle-là, il faut un dead bush, celle-là aussi. Celle-ci, c'est une pasture seed avec un de blé. Du coup, on va pouvoir se mettre là-dedans. Alors, une pasture seed avec un de blé. On a celle-là, ok. Ensuite, pour faire la vivide, il nous fallait un cactus. Ok, celle-là, c'est bon, on l'a. Pour faire celle-ci, c'était avec une gunpowder. Donc ça, c'est bon, on l'a. Celle-ci, il nous fallait ça, mais pour faire ça, il me fallait du quartz. Du coup, normalement, le quartz, je l'ai fait. On doit pouvoir le changer. Alors là-dedans, par contre, ok, c'est bon, j'ai. Tac. Du coup, tac. Tac, ok, c'est bon, on a. Et la dernière, c'était avec un œil d'araignée. Tac. Ok, celle-là, on l'a. Il nous manque plus que les deux dead bush. Ok, c'est bon, on les a. Tac, tac. Du coup, normalement, il y en a un. C'est avec une pasture seed et un dead bush. Ok, c'est bon, on l'a. Et il nous manque plus que la dernière. Et c'est un dead bush, je crois, dans l'alchemical. Non, même pas. Juste comme ça. Ok, bim. Et là, normalement, on les a toutes. Allô? Est-ce que je les ai toutes? Complète, 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 complète. Infestation, on l'a pas celle-là. Parce que c'est une spore, c'est pas une seed. Et du coup, pour se faire celle-là, il nous faut quoi? Un champignon. Pour faire une infestation spore. Et le champignon, comment je l'obtiens? Oh là, il fait infusion sur de l'herbe avec 8 colorants rouges, évidemment. Je vais voir si j'ai ça. Je crois que là-bas j'en ai pas beaucoup.
J'en ai combien? Une. Oh oh oh. Je vais aller long avec ça. Allez, saute. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il va m'en manquer une, quoi. Est-ce que j'aurai pas de la bonne huile? Si. Ok, j'ai la huitième. Bim, bim, bim. On va aller chercher le petit infusion stone. Et on va pouvoir arrêter l'épisode ici, je pense. Infusion. Hop, merci. Est-ce qu'il me faut un certain nombre de cœurs? Combien me faut-il de cœurs pour ce truc-là? 6. Ok, c'est bon. Par contre, il faut que je trouve un truc à manger. On va aller chercher des pommes. Tac. Et on va manger. Alors, j'ai ça. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Ok. Miam miam. Miam miam. Ok. Alors, du coup, il nous faut une herbe. Bam. Il nous faut l'infusion stone. Et on met les 8 colorants là-dedans. Bim. Bam. Boum. Ok, c'est bon. On a notre champignon. Super. Et du coup, on drop ça là-dedans. Parce que là, il y a assez. Et là, normalement, on a complété la quête. Yay! Du coup, on va regarder ce que ça fait. Alors, par contre, c'est que sur des dirt blocks, si j'ai bien compris. C'est ça? Ouais. Que sur de la dirt. Alors, est-ce que ça le fait aussi? Alors, on va peut-être pas toutes les tester, quand même. Je testerai bien, mais on testera la prochaine fois quand j'aurai pas mal de terre. Parce que là, pour le moment, j'en ai pas beaucoup. J'ai peur de ce que ça va me faire, en plus. Donc, on va peut-être éviter. Quand même, de faire ça un peu à l'arrache. On va faire ça la prochaine fois. Et comme ça, moi de mon côté, je vais préparer un peu tout ce qu'il faut pour faire toutes les runes. Pour pouvoir faire la Rosa Arcana, pour pouvoir faire le Mana Blaster, le Passive Mana Génération, tout ça. Et en plus, comme ça, on pourra débloquer la wand pour faire la terre. Ça, ça sera cool. Oh, ça, c'est trop bien. Les cornes là, elles sont trop trop cool. On verra comment on les utiliser la prochaine fois. Mais on va avancer pas mal sur Botania et on va peut-être commencer aussi la nourriture depuis le temps que je le dis. Parce que j'ai vraiment envie de pouvoir manger autre chose que des pommes qui me nourrissent pas beaucoup. Donc voilà, on verra tout ça la prochaine fois. Sur ce, moi je vous laisse. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner ou à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.